Oh, Fatengele, Madame Damaro. Les moutons, vous dormez pas? Les moutons, le lièvre. Madame Damaro, Nika Kebe, oui, présente. Didier, merci. Qu'on fait un la musique Alpha Condé. Maimouna, comment vas-tu? La championne. Mon mari et moi, on est fiers de toi. C'est à vous, on demande pourquoi vous vous insultez. Parce que personne n'est invité ici. Moi, je n'insulte pas. Mais je sais. Mais je vais répliquer sur votre Allah là, c'est Loudalé. Je vais l'insulter et puis insulter aussi ses parents. Parce que lui, quand on l'insulte, ça ne lui fait pas mal. C'est quand c'est tout ça, ses parents là, son père, sa mère et puis ses grands-pères, ses grands-parents là. Cela, il a mal. Merci.
Albéla Kaba, je suis fière de vous. Hein. Je suis fière de vous, ma famille. Je suis fière de toute personne qui n'est pas ethno. Je m'en fous des ethno. Il y a les ethno qui m'appellent, qui me disent pourquoi moi, je n'ai pas eu Marie-Sauf aller jusqu'en forêt. La communauté IFDG, vous n'allez jamais avoir le pouvoir dans ce pays. Tant que vous ne vous acceptez pas, vous ne vous pardonnez pas. Vous, la communauté IFDG, le peuple de Guinée, vous, la communauté IFDG, vous n'acceptez pas les gens. Vous ne pardonnez pas les gens. Vous ne respectez pas les gens. Vous n'allez jamais avoir le pouvoir dans ce pays. Parce que vous pensez que vous êtes supérieur que les autres. Tandis que vous n'êtes rien, vous n'avez rien dans la tête. Aujourd'hui, partout dans le monde, tu dis... Les personnes qui insultent, ils te diront que c'est la communauté IFDG. Vidéo live, c'est eux qui insultent. Commentaires, c'est eux qui insultent. Il n'y a que la communauté IFDG. Vous insultez, ça vous apporte quoi? Rien. Mais moi, par contre, ça, j'aime bien. Quand tu insultes là, Marino, la brave femme, la dame de fer, la combattante, la championne, la fille, la princesse du Prac, la Abdoulaye Baria, donc Karamakoski Kalare, Ida Makka Ida Yenna. Tu as une photo là où tu as la mec, tu insultes. Donc Karamakos Barero. Donc Kanon Fopkala Yenudo, donc Kanon Nene Makoy Bam Makoy, donc Kanon Selu. Et Kalo Soutenu Domo. Donc Kanon Makokos. Parce qu'on herseta. Si you know, Quadilan Nonko Nodo. Minna Hala Hala, si mi voyage no hande ne. O semendo nane no adna on si fotono me alla ma pidi go no ton e mo andi mem ko mi ko mi ade fo mi ade nouvelle di no arande ko Facebook on nane ko ngaldi ne o paske mi na la la de na wundu ko bol de barda o yiye tribunal di din hala de balde mi na la la de pi alla ya de mo amem. Je partais dans deux pays. Ah, na hala hala. Min fatu. Min ni mi wadai le kati. Mamadou Ba TVS yo don kanon ange kala. Kala gidoma yo don kanon kos yo don kanon nene mai be baba ma Mamadou Ba TVS yo don kanon kos yo don kanon nene mai ba ma yo don kanon selu dale mo. Donkana wako hako ko beppa dum yeniti kadi andalanda bari yo donkano nene ma e baba ma yo donkano selu dalen kos yenuto kadi le mouton la yo donkano kos e sa se mon grand tant que tu dis pas repos ah je suis là madame Damaro est là. Mon grand Moussa Dejebou, comment ça va mon champion? Mon frère, le combattant, l'infatigable, je suis fier de toi. Fatungelo est fier de toi, grand Moussa Dejebou. Merci pour tout le combat, merci pour tout l'amour. Merci à toute personne qui aime le président Alpha Condé sans condition, sans rien avoir. Sans que le président prenne ses 1000 francs et donne à qui que ce soit entre nous. Sans que le président même prenne son téléphone, il appelle certaines personnes. Mais qui mènent le combat parce qu'ils sont patriotes, parce qu'ils aiment la Guinée, parce qu'ils ont compris c'est quoi la vérité. Merci à toutes les personnes qui font ce combat. Sans condition, sans qu'il ne soit payé. Merci, merci les combattants. Merci, merci. Le peuple est fier de vous. Les Guinéens ne sont pas bêtes. La vérité, tout le monde sait c'est quoi la vérité. Donc, merci mon grand frère Moussa Dejebou. Merci champion. Merci à toi. Merci à tout le monde. C'est ce que je dis. Merci aux personnes, toutes personnes qui mènent ce combat. Sans rien recevoir,
ni du président, ni d'un ministre, ni d'un député, mais qui mène ce combat parce qu'il est patriote, parce qu'il est guinéen, parce qu'il a compris la vérité. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à moi, Fatou Niélé. Diawadou, Diallo Yodon, Kanonene Maïba Makos, et Nene Selou et Ben Selou. Et Selou Dalio Don Kanon Kos, Kodoum Mihali. Mimi holla yo mi do razi buri yo min kadina birte birde halu gol se ko tum fino fala se kad min o yande la rati volango on nana ko ngaldi ne de balde ko sikkatano inno woluno la dey jaka wadi min darte video janni min nar non hala fi yakuna nge sellu dalle hande le hombo ni hala fi le ngelo no heddi le toi 2020 mais où est firlaye et aux réseaux sociaux mais où est celle firlaye et ni lady celle yalta do ya Sénégal donc moi la communauté IFDG vous faites la honte au peuple, tout le monde sait maintenant qui vous êtes des insolents, des haineux, des sanguinaires, des bandits comme votre président, mais personne ne vous en veut parce que c'est ça. On vous a éduqué avec ça, l'ethnocentrisme, la méchanceté, l'injure, c'est ça. Vous faites la honte pour la communauté FDG. Mais on souffre d'être. On souffre d'être indiqué de la Guinée parce que. Je pense bien. Binta ba andi kwento kora. Je pense soumis donc quand on est combattante même à 5h du matin tu te lèves, tu fais ton direct, tu dis ce qui est dans ton cœur, tu dis la vérité. Tu dis ce qui est Alpha Condé. Gando bari, tout nga bepp du nga nastay ko jusqu'à ma mort. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis accompli. C'est moi, Fatou Niélé. Habib, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, nous, notre mission, c'est de mettre Selou Dalé comme ça. La communauté IFDG, comme vous êtes comme ça, là. Vous êtes comme sans-série, là. Parce que ça, tout le monde connaît. Même si ce n'est pas français. Mais dès que tu dis sans-série, tu connais. Comme les moutons, la communauté IFDG, vous êtes comme sans-série, là. Moi, je vais vous mettre comme ça. Vous allez être comme bougie, direct, dans ce pays. Vous allez laisser les gens respirer. Vous allez laisser les gens faire leur vie. Vous allez laisser les gens dans leur choix. Vous allez laisser les gens avec votre injure, avec vos injures, avec votre dictature. Des dictateurs comme ça, la communauté FDG. Vous êtes tellement des dictateurs. Vous êtes tellement haineux, sanguinaires. Nous, c'est fini ça. Niel et moi, notre mission, c'est quoi? C'est de vous mettre sur les rails comme ça. On est fatigué de vous. Voilà. À un moment donné, vous pensez que vous étiez, je ne sais quoi, le maître de quoi. Si c'est un prophète, c'est prophète seulement chez vous, la communauté IFDG. Nous, Dieu ne nous a pas montré un seul prophète. Prophète Mohamed, paix soit dit sur lui. Nous, on n'a pas de prophète. Mais comme vous, vous avez deux prophètes. Votre d'abord premier prophète, c'est Selou Dalé. Alors moi, je dis, je l'encule. Votre prophète saleté, bandit, là. Votre prophète pédé, là, qui couche avec femme, qui couche avec homme. Moi, je veux lui faire comme ça. On va vous montrer ce qui est Selou. Moi, ma mission, à Ronkouya, comme ce que disent les soussous, avec Selou, tant que Selou est à la tête de l'IFDG, moi, Fatou Niélé, je suis derrière Selou Dalé. Tant qu'il est à la tête de l'IFDG, je suis derrière Selou Dalé. Je veux lui dire et lui montrer que
La politique est très loin de l'ethnie, la politique est très loin de la communauté, la politique est très loin d'une religion. Donc, tant qu'il est à la tête de l'IFDG, je vais le suivre pour le mettre sur les rails. Je vais le ramener, je vais le débarrasser de l'idée de l'ethnocentrisme. Et tant que je respire, je ferai de tout ce que je peux faire pour que Silou quitte à la tête de l'IFDG. Tant que ça, je ne vois pas ça. Je ne dors pas, je me réveille. Aujourd'hui, Silou n'est pas président de l'IFDG. Je ne vais pas dormir, moi, Fatou Niello, et je ne vais pas quitter derrière Silou. Je resterai là tant qu'il ne démissionne pas ou le parti, le congrès, là, on dit Silou n'est plus à la tête de l'IFDG. Parce que je vous dis aujourd'hui, tout le problème que les Guinéens ont, c'est Silou Daley. Sur la tombe de mon père, c'est Silou. Pas une autre personne, c'est Silou Daley. C'est lui. C'est lui qui fatigue les Guinéens. Pas même sa communauté seulement, la communauté IFDG. Ben, tu cherches quoi ici? Hein? Ben, tu sais, j'ai dit de faire quelque chose tout à l'heure. Hey, n'envoie pas de cœur ici. Je t'ai dit de mettre la musique. Tu vas danser pour moi, tu as refusé. Car, donc, on ne se parle pas. Je finis mon direct, j'éteins mon téléphone. Je vais dire devant tout le monde ici, je ne veux pas de cœur là. Ça, c'est mon anse d'amour. Je parle de mon anse. Et puis, sors ici parce que là, tu veux me tu veux me démotiver. Et je suis fière de toi, mon amour, Ansou. Tu es un homme. Et tu ne dis que la vérité. Merci. Tout ce que tu as dit aujourd'hui sur Bar Café de Lamine, là, c'est la vérité. On parle de la démocratie. Il n'y a pas plus escroc que Bar Café de Lamine Guirassy. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est comme ça. Et ça, c'est parce que il n'est pas musulman, peut-être. Et ça, c'est parce que il n'est pas. Est-ce qu'il est. Bon, je pense. Ça, c'est parce qu'il n'est pas de la communauté IFDG. Une seule personne, le reste là, c'est des escrocs. C'est des lâches. C'est des. Toi qui m'insultes ici, là. Ici, le Loudalé, la maman de ce Loudalé. Hadjamaramasole. C'est à elle que tu as dit ce que tu as écrit là. C'est Lou, les gens ne t'aiment pas. Si on t'aimait là, on allait nous laisser en paix. Mais tant qu'on insulte ma mère, je vais insulter ta mère. Bilaï. Tu sais, j'avais dit non et tout. Mais c'est fini ça. J'ai arrêté de te. J'ai dit que je ne veux plus t'insulter. Pourquoi insulter mes parents? On ne peut pas moi m'insulter. Vous qui parlez là, venez quand je suis en direct, ou Nielo est en direct, regardez les commentaires. Mais comme vous êtes des salauds, il faut qu'on insulte là, qu'on parle de la chatte de la maman de Sello. Vous êtes contents? Je vais le faire. Les militants de l'IFDG. Moi, je m'en fous de vous parce que vous êtes des petits, vous êtes des escrocs. Là où vous partez faire vos prières, là où vous partez et rendre compte, là, moi, c'est lui, je vais rentrer, votre Silou Daley, je vais le déchirer. C'est moi, Fatou Niello. Moi, il est petit, moi, il n'est rien, Silou n'est rien devant moi. Hé, hey, la haine que j'ai pour Silou, wallahi billahi, s'il connaissait ça, même dire le nom d'une Fatou. Il n'allait pas le faire. Et je vais combattre Sélou Daley politiquement. Je vais mettre fin à la carrière politique de Sélou sur la tombe de mon père. Moi, je le ferai. Si ça va coûter ma vie, je suis prête. Moi, tous les risques que j'ai faits, tout ce que nous, on a fait pour Sélou Daley, la récompense de nous manquer du respect et on veut parler à ces chiens qu'il a chié, il n'a pas éduqué, ils veulent nous insulter, insulter mon père qui l'a tout donné, qui l'a mis où il est aujourd'hui. Je reste sans me transformer à une rebelle comme eux pour les rentrer comme pas possible. Je veux lui rentrer votre demi-dieu qui est Sélou Daley. Le PD Sélou Daley. Je sais même pas quel nom. Il couche les femmes, il couche les hommes. C'est le temps que tu ne parles pas. Tu dis pas à tes chiens que tu as chié comme ça, là.
Laissez la famille Ngeloy. Laissez les personnes qui soutiennent Alpha Condé. Laissez Alpha Condé. Vous pouvez critiquer. Vous êtes des Guinéens. Mais insultez le président. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Sauf si ce n'est pas du bien. Hein? Ce qu'Alpha a fait, qui a fait ça aujourd'hui? Regardez, ça, ce n'est pas magie. Ce qu'il a pu réaliser dans ce pays. Donc, à continuer à manier. Moi, j'avais dit ici, quand c'était chaud, notre mouvement, c'était quoi? Front uni pour une nouvelle constitution. J'ai dit à la manée. Même aujourd'hui, on m'a amené un truc de 1 an. Les pubs que je faisais sur Facebook, j'ai juste pas partagé. Parce que déjà, à Baralang, vous n'avez pas pu nous empêcher à organiser des petites élections. C'est présidentiel que vous allez nous empêcher. Le pays là est commandé. Ça, ce n'est pas pour vous. Ça, ce n'est pas votre communauté IFDG. Ça, je vous dis, on en a marre de vous. On en a marre de vous, la communauté IFDG. Moi, je ne suis pas ethno, moi. Je n'aime pas un ethno. Que tu sois malinqué, forestier, Konya, guerre, quoi, tout. Je ne veux pas de l'ethno. Je suis guinéenne. Du moment où on a une seule carte d'identité, un seul passeport. Notre pays, c'est la Guinée. Notre drapeau, c'est rouge, jaune, vert. Il n'y a pas de drapeau. Donc moi, je suis guinéenne tout court. J'aime les Guinéens. J'aime mon pays. Je vais combattre toute personne. Je vais combattre toute personne qui va tenter à semer la pagaille ou intimider les gens. Moi, je suis démocrate. Je ne suis pas contre les personnes de l'IFDG. Mais je suis contre leur système. Et tous les autres sont contre leur système. Tu ne veux pas la chose. Parce que toi, tu ne veux pas la chose. Donc l'autre n'a pas droit à aimer cette chose. Ça, c'est un faux débat. Alors ça, on a ta moule en fait. Et moi, ma. Parce que ta moi, ma, ta roma. Bore, droit à mouna, ta mbe. Ahawana, roma. C'est quel genre de dictature, ça? Nabardan. On n'est pas en 1900, je ne sais quoi. On est en 2020. 2020. La communauté FDG, vous êtes comme ça, comme ça. Ouma Bere Guinée. Je suis fière des militaires que j'ai rencontrés hier. Quand je les ai vus, ils m'ont dit, Mali Amoubera. Là, c'est la Guinée. J'étais fière encore d'eux. Merci, mes frères. Merci, mes cousins. Merci, mes tontons. Merci, mes papas. Merci à l'armée guinéenne. Merci à vous. Le peuple est fier de vous. Nous sommes fiers de vous. Merci, merci. Et mon père, Alpha Condé, est fier de vous. Docteur Djane est fier de vous. Le gouvernement guinéen est fier de vous. Le bas peuple est fier de vous. Parce que vous savez ce que vous voulez dans cette vie. Vous savez que vous êtes des Guinéens. Vous êtes militaires. Mais avant d'être militaire, vous êtes humain. Avant d'être militaire, vous êtes citoyen. Avant de porter la tenue, vous avez... Il y a vos mamans. Vous avez vos sœurs. Vous avez... vos frères, vos papas, vos oncles. Donc, en pensant à eux, quand il y a... Tu peux avoir l'argent, tu refuses de donner à des personnes. Mais quand il y a malheur, quand il y a la guerre, tu veux, tu ne veux pas, ça va toucher à un de tes proches. Qu'Allah nous en garde. Qu'Allah nous en garde. Qu'il nous donne tous longue vie, santé de fer, que la paix règne chez nous. Les moutons, ils n'aiment pas la vérité. Ouh, Boubacar Barry, ça fait plaisir quand je vois Pembari Diallo, Balde, parle un truc qui est vraiment positif. J'adore, ça fait du bien.
Mais quand je vois les moutons de l'IFDG, Aziz Diallo, baby, je ne sais pas si tu lis les commentaires. Il y a un Aziz Diallo qui dit ici qu'il est avec moi, mais il ne voulait pas que je me marie avec celui qui a toujours minimisé le fouta. Aziz Diallo, c'est un faux débat. Maintenant, je veux que vous vous débarrassiez de ça. Les personnes qui minimisent les autres ethnies ici, c'est la communauté IFDG. C'est eux qui ne considèrent pas les autres ethnies. C'est eux qui ne voient rien aux autres ethnies. Tandis que c'est eux qui ne sont rien la communauté IFDG. Les autres ethnies leur dépassent de tout, de l'éducation. Le savoir-vivre, c'est le plus important. Le Coran, qu'est-ce qu'ils connaissent? Aujourd'hui, la communauté IFDG, c'est les plus grands soulards, les plus grands drogués, les plus grands bêtes. Aziz, mon mari n'est pas ethno. Il ne déteste pas les Peuls, son faux de bas. Il faut aller voir là où on se a parlé de la communauté Peul. Moi, je suis Peul. Toute personne qui sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux et parle de la communauté Peul, c'est moi, je vais sortir. Je vais insulter la personne, je vais payer sur sa communauté, quelle qu'en soit la communauté. On ne parle pas de la communauté, on parle de la communauté IFDG. Mon mari ne déteste pas, il ne minimise pas le Fouta. Pourquoi? Tu penses qu'il n'y a pas de belles filles en forêt? Tu penses qu'il n'y a pas de belles filles en Haute-Guinée? Tu penses qu'il n'y a pas de belles filles en Basse-Guinée? Ah non, il y a des belles filles, de métisses même. Métisses, maman Peul, des Konya ou Malinké ou je ne sais, ou maman Malinké, papa Malinké, mais il y a des belles femmes. Si tu vois, il a laissé tout ça, il veut de moi faire tourner lui. C'est parce qu'il n'est pas ethno, c'est parce qu'il aime la communauté. Et moi, je vais être la mère de ses enfants. Et une partie de lui va aller au Fouta. Comment est-ce que tu dis qu'on suit les contre les Peuls? C'est pas vrai. C'est la communauté IFDG. Moi, je suis contre la communauté IFDG. Je viens de le dire, c'est pas leur personne, mais leur façon de faire, leur comportement. Moi, Fatounelle, je suis contre. Et toute personne qui est normale, toute personne qui est vraiment normale, tu vas être contre le système de la communauté IFDG. C'est des moutons. Mon mari a dit c'est des moutons. Mon mari n'a pas dit la communauté Peul. Il dit la communauté IFDG. On est désolé, IFDG, c'est une communauté. Quand tu parles de ciel, on dit tu as parlé de la communauté. Quand tu parles d'un membre de l'IFDG, on te dit tu as parlé de la communauté. Donc c'est une communauté. Voilà, il faut savoir faire la différence. Il ne parle pas. Si on se parle aujourd'hui de la communauté, d'ailleurs, il n'aime même pas. Quand il entend des gens parler, même le mot Peul, mon mari n'aime pas que quelqu'un prononce ça. Il parle de des moutons. Regarde, il y a un fils de pute ici qui m'insulte. Il a dit ce que j'ai dit. C'est toi le fils de pute, Ibrahim Abari. Ta mère, fils de pute. Ton père, fils de pute. Ta mère, fille de pute. Ton père, fils de pute, la mère de Selou, fille de pute, le papa de Selou, fils de pute. Vous êtes tous des fils de pute. Voilà. C'est ça, j'ai bien fait. Donc, Aziz, mon mari n'est pas contre l'ethnie Peul. Personne n'est contre l'ethnie Peul. Les gens sont contre le système de la communauté IFDG. 10 ans de retard, 10 ans de violence, 10 ans d'injures, 10 ans de rien de positif que négatif, négatif, négatif. 10 ans. 10 ans. Alpha a cherché le pouvoir. 40 ans. Il cherche le pouvoir. Il était patient. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, allez juste jeter un caillou parce que je veux être président. Il n'a jamais fait ça. Pourtant, il y a des gens qui étaient vraiment engagés pour le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, 10 ans juste, le monde entier est stressé par vous. Le monde entier a des soucis à cause de vous, la communauté IFDG. Vous stressez tout le monde, vous fatiguez tout le monde. Vos conneries, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Quelle communauté? Vous pensez que vous êtes plus que les autres? Vous, vos prières là, vous priez combien à 6 heures?
C'est 6 ou 8, vous priez? C'est 2, 2. Vous, la communauté IFDG, à 14 heures, vous faisiez combien de prières? À 17 heures, vous faisiez combien de prières? À 19 heures, vous faisiez combien de prières? À 20 heures, vous faisiez combien de prières? Vous pensez que eux, ce n'est pas la même chose que vous? Vous pensez que eux, ce n'est pas le sang qui circule dans leurs veines? C'est ça, on ne veut plus. C'est un faux débat. Nous sommes tous égaux dans ce pays. Personne ne dépasse quelqu'un. Tant que vous ne changez pas de stratégie, tant que vous ne changez pas de mentalité, vous allez être là-bas dans votre coin et les autres vont rester là. On va travailler et faire avancer ce pays. Voilà. C'est si, tu sais, le président a toujours dit, la Guinée, c'est comme une voiture à 4 roues. Si un... y a pas, si on n'est pas là, les trois autres ne bougent pas. Mais moi, je dis à papa, ça bouge. C'est vrai que ça ne va pas être comme si c'était vraiment les quatre qui étaient là. Mais tu peux te débrouiller. Allez. Donc, on est sur ça. Le jour où vous allez changer de mentalité, là, le jour où vous allez grandir dans la tête, là, le jour où vous n'êtes plus limité dans votre esprit, là, vous êtes les bienvenus. Mais si ce n'est pas ça, on s'en fout de vous, la communauté IFDG. Est-ce que toi, c'est toi le bâtard, Mamad Saliou Diallo? C'est pas mon mari, c'est toi le bâtard et ton président, c'est Loudalé. Il a bien fait. Il fait quoi pour moi? Ça te regarde? Je suis ta sœur ou je suis qui pour toi? Hein? C'est pourquoi vos femmes, là, vous quittent. Parce que vous, dans vos têtes, que c'est l'argent qui peut faire les choses. En dessous, je l'aime de tout mon cœur, il m'aime, c'est l'essentiel. C'est pourquoi vos femmes, là, vous tuent ou vous tuez votre femme, parce que vous mettez toujours l'argent devant. Vous, vous pensez que c'est l'argent qui fait le bonheur. C'est pas ça, c'est l'amour sincère, même pas amour hypocrite, hein. L'amour sincère. Escoro, que Gaïe, il fait quoi pour moi? Ça te regarde? M'aimer, là, c'est beaucoup. Et l'amour, là, c'est pas moi, c'est Dieu qui a... On a vu l'amour avec Dieu parce que c'est lui qui a aimé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donne un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Vous insultez ici, c'est à la maman de Selou Hadjamar Massole et son père. Et puis Selou Dalé. Des malades mentales comme ça. Pourquoi on se va détester la communauté Peul? Vous n'aimez pas la vérité. IFDG, c'est moi-même qui ai donné le nom là. Vous êtes la communauté IFDG. Vous êtes une communauté. Vous êtes une communauté. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre la coordination, entre l'ethnie, entre la religion et quoi d'autre. Voilà. Vous n'avez pas... Votre coordination aujourd'hui, il n'y a pas une coordination plus ethno que votre coordination. Elle est 100% IFDG, votre coordination. 100% IFDG. Et c'est quoi une coordination? Tu dois être là pour tout le monde, pour ta communauté. Et quand il y a un problème dans l'autre communauté, en tant que responsable, tu te lèves, tu viens voir la communauté, tu parles avec leur coordinateur aussi pour ramener l'ordre. C'est ça une coordination, mais pas une coordination qui est commerciale ou pas une coordination qui est ethno, pas une coordination qui parle la politique, pas une coordination qui est ethno. De fois même qui envoie les enfants d'autrui à faire la violence. Nous, on s'en fout de vous, la communauté IFDG. On va mettre fin à votre carrière politique dans ce pays. Je n'ai pas dit une autre personne à la tête de l'IFDG. Une autre personne à la tête de l'IFDG. Je ne veux rien dire. Je ne veux plus attaquer. Et je sais qu'il va changer. Tout le problème de l'IFDG, c'est l'Oudalem, parce qu'il est ethno. Il n'a pas confiance en lui-même, à sa personne. C'est un bandit, c'est un pervers. C'est un bandit, c'est Loudalé, c'est un PD, c'est un pervers. Donc moi, je ne vais jamais me fatiguer. Après 2020,
Le 20 2021, la communauté IFDG, vous allez tous mourir ici de haine et de sa graine. Parce que, Inch'Allah, Alpha Condé est là. Qu'Allah lui donne longue vie et santé de fer. Il est là, le pouvoir là, ça est là. Même nous, les à côté, on fait belle vie. Qui va dormir ici que ça bascule? À moins que je vais mourir. Je vous ai dit, si Alpha Condé dit qu'il ne va pas se présenter, je vais mettre l'essence sur moi. Devant ces couturiers, je vais rester dans l'histoire de la Guinée. Moi, Fatou Nguelo. Donc, il n'a même pas de choix. C'est lui. Alpha Condé Mara Haluna. D'ailleurs, Alpha devrait être là bien avant 2010. Alpha, solution de la Guinée. Moi, je ne vais jamais me fatiguer. Mon mari et moi, là, et tous les autres combattants là, personne ne va se fatiguer. Tant que vous ne revenez pas à l'ordre, tant que vous ne maîtrisez pas, tant que vous n'arrivez pas à faire la différence entre la politique, l'amitié, l'ethnie, le travail, la famille, on ne va pas se fatiguer nous aussi. Walfalou Manena, Araha Waliranyo, vous êtes zéro, vous êtes rien. Moubriora et Mounaoma. Vous des ethnos comme ça, la communauté IFDG, les moutons. Bébé, demain, dès que tu te réveilles, tu tapes sur les moutons là encore. C'est tout ce qu'ils méritent. Taper sur eux. Parler de... Toi, Ali Tamba, là, même la vie là n'est pas éternelle. Tout va finir un jour. Mais avant que ça ne termine là, on va mettre fin à vous, on ira avec vous. Ce qui fait mal, c'est quand tu te bats pour une chose. Nous, on a eu la chance. Aujourd'hui, ce que nous, on a eu, ça va, même si ça se limite là. Moi, Fatou, je dis, alhamdoulilah. On a la confiance du président, on a l'amour du président. Et Alpha est devenu président dans ce pays après tant d'années. Mais c'est lui, il a fait 10 ans. Même si ça va finir, on va finir avec lui. Il n'y aura rien, il n'est pas président. Et il n'aura pas ce bonheur, c'est tout. Nous, au moins, on a eu la chance aussi de profiter de l'amour d'un président, de considération d'un président. Ça, on a eu et on est fiers. Et le RPG aujourd'hui est fier de nous. Les vrais militants du RPG arc-en-ciel, les vrais combattants, les dignes fils du RPG sont fiers de nous. Les cadres honnêtes du RPG sont fiers de nous. Les cadres sages du RPG sont fiers de nous. Les vrais gens du RPG arc-en-ciel sont fiers de la famille. L'histoire retiendra que en 2019, il y a une famille qui est Nguelé, qui est venue accompagner le président. Ils ont pu déstabiliser Selou et sa communauté IFDG. Donc c'est une fierté, c'est une chance. Un jour, l'histoire va parler de ça dans ce pays. Donc, nous, c'est une fierté. On a dit, on a fait. Hé, hey, on te petit encore. Fan, on a mis le coup, elle va connaître ça. Puis je vais couper. Mary Borori, IFDG. Numara, bolé, renu, drogué, tartamolo, drogué, renu, IFDG. Mary Kuna, canaré. Awa la Guinée mere wona mbore so bore wo manga bile président Alpha Condé Bambara iname Alpha iname la Guinée Alpha nara quand tu entends la Guinée c'est Alpha Condé. À part Alpha Condé, honnêtement, qui est là aujourd'hui pour le moment? À part Alpha Condé, mere muna, c'est les bandits qui ont mangé ce pays, qui ont pillé ce pays. Il y a qui aujourd'hui ici? Vous n'avez même pas honte, vous, la communauté IFDG. Vous parlez d'un changement et puis vous nous parlez des vieux pervers, des vieux inconscients, des vieux irresponsables qui ont tout volé juste pour eux et leur famille. Tu peux tout dire sur Alpha Condé, sauf un voleur. Sauf un détourneur ou un il gaspille pas. Alpha, si tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. Mais ce n'est pas un malhonnête. Il ne vole pas l'argent d'autrui pour donner. Il ne profite pas, il ne prend pas l'argent du peuple pour donner à une seule personne. Aujourd'hui, la Guinée est gérée, c'est du jamais vu. Et moi, je suis fière de lui. Watana musical, Fakonde.
Oh, après, minata. Je vais vous dire que c'est bon. T'es long, Dani, caca. Des salauds comme ça, réunis la IFDG.